Allez, on est reparti dans un nouvel épisode. Alors que la dernière fois, on était entré en bourse. C'est un peu la pression rentrer en bourse, hein. Mine de rien, je vous avoue, c'était, j'ai envie de dire, waouh, un peu chaud. Un peu show time. Je dois l'accorder, je suis honnête, hein. Mais comme je le disais, en fait, ce système de parties aussi permet, en tout cas pour moi personnellement, je trouve, me permet d'évoluer, d'apprendre des choses. Genre là, mon but, ça va être d'apprendre. Vous voyez, j'ai appris les quotas par exemple. Mais mon but, ça va être d'apprendre l'action en bourse, l'entrée en bourse, que ça peut nous apporter finalement. Vous êtes génial, et Ouais, je c'est peu sais. dire. Vous voyez, parce que là, ils vont me dire, donc voilà, il n'y a pas assez. Pourtant, je pourrais les augmenter, ceux-là. Mais en gros, il faudrait. Parce qu'en fait, ça, c'est des ouvriers. C'est ça. Vous auriez dû me prévenir, je n'ai rien Opérateur. dans le frigo. Voilà, en fait, c'est ça. Il faut des ouvriers pour avoir un certain nombre. Il faut avoir plus d'ouvriers pour faire des opérateurs. Il faut avoir plus d'opérateurs pour faire des cadres. Arrivée de la Et navette ensuite, dans des les délais investisseurs. prévus. Mes Voilà, ici. investissements ont donc payé. C'est ça le truc. En fait, vous ne pouvez pas jouer rien qu'avec des investisseurs dans le jeu. Vous êtes obligé d'avoir des ouvriers, des cadres, ce qui est logique. Ça fait partie du système qui nous entoure. J'avoue que le problème, moi, ce qui m'embête, c'est qu'on n'a pas, comme je disais, on n'a pas de visu là-dessus. Donc ça peut vite être compliqué. Ça tombe, pardon, là on cartonne en plus, donc on essaye de nous dépouiller. Patience. D'ici quelques années, Ah, les votre points ville sera la d'influence. destination convenable. Oh là là, c'est qui là? C'est pas pour nous. Je crois qu'ils veulent racheter ici. Voilà, on est d'accord. Ah oui, moi en fait, après je peux me faire de l'argent avec le truc. Nouveaux investissements de recherche possibles. Ah, j'hésite. Non, franchement, on va se faire de l'argent. J'ai 3 millions ou 8 millions? J'arrive pas à voir. J'ai des appartements un peu partout dans le monde, mais Ouais, j'ai chaque fois 3 je millions pars seul. 7, donc non, je vais pas me faire chier. À part faire monter pour qu'ils dépensent leur argent. Je tente. Oh putain, ils en veulent pas. Je Ah, ils en pourrais veulent. vous Si, c'est aider, bon. mais la situation étant ce qu'elle est. J'essaye de les dépouiller un peu. Ah, je tente, je suis joueur, je suis joueur. Patience. D'ici quelques années, votre ville sera la destination en vogue. Ah, les cons. Vous auriez pu mieux faire. Félicitations. Nouveau succès obtenu. Ah, mais je voulais pas l'acheter, j'avoue. Ah, j'ai eu le succès, vous me direz. Voilà, j'ai une action en fait qui est chez eux. Qui vaut que dalle, bien sûr. Mais ça nous donne des avantages. Mais leur rendement, il est pourri. Il est éclaté. On le voit à des crédits. Bon, après, ils sont quand même à la limite. Mais c'est pas ouf. On voit, c'est presque Je trois vous fois aiderai moins. à accomplir votre vision d'une colonie lunaire. En contrepartie, j'espère bien que vous m'aiderez dans mon projet d'hôtel de luxe sur la Lune. Mais tu me parles encore, toi? Hôtel de luxe sur la Lune. Si tu savais ce qu'il y avait sur la Lune, ma grande. C'est moi le gestionnaire. Vous voyez, là on peut augmenter. Bienvenue. On vient de les J'espère que poser. tout va bien. Parce que forcément j'ai plus d'ouvriers maintenant. Mais pour l'instant on peut pas augmenter cela. Les niveaux 3. Mais le truc c'est qu'il faudrait que j'augmente ici les niveaux 2 et 3. Ce serait important. Itinéraire de transfert Ah, je sais. inefficace. Pénurie de ressources.
en a qu'un à chaque fois. Mais je pense que c'est question de ressources, non? Entrez, je vous en prie. Mettez-vous à l'aise. Ah non, ils font un bâtiment de ce type. Ah, et ça qui est compliqué. C'est d'avoir un aperçu global de ce qu'on possède. Et c'est pour ça que je voulais acheter une corporation, mais ça veut dire prendre plus de temps, ça veut dire tout refaire, rebâtir de zéro sur une autre terre, sur un autre terrain. Mais la vraie question, c'est parce que je sais pas si c'est faisable en vrai sur seulement ce bout de terrain, par exemple. Après, on pourrait le faire sur mes colonies, mais ça veut dire aussi améliorer toutes mes colonies. Ça veut dire faire toutes les demandes. On en est où là? Parce qu'en vrai, je sais pas combien on est. Ah, on y est presque, hein, mine de rien. On n'est pas loin. Il nous manque un peu plus de 400 investisseurs. On a bientôt le stade. On pourrait le faire en vrai. Ah, à la bonne heure. Convenable. Je sais pas. Ouais, mais là, il sera pas sur la route. J'essaye de voir si on peut mettre à certains endroits que j'aurais laissé comme ça. Ah, c'est limite, c'est dommage. Vous voyez ce que j'essaye de faire? Mais le problème, c'est que ça attire plus de monde. Mais forcément, ça veut dire aussi plus de besoins. Je n'ai rien contre vous, mais des sacrifices sont encore nécessaires. De l'eau. Ah, ils font chier, ils vont prendre l'eau. C'est ouf. C'est ici en plus. Bon, on va faire appeler la flotte. On a le premier tour du futur ici. Ah non, il y en avait déjà dans ce coin-là. J'ai rien dit. On a le stade. Nouvelles options de construction. Oh oui, ça c'est bon ça. J'ai failli détruire ou le construire. Vous voyez, j'ai construit un, j'ai pu augmenter un. Donc c'est vraiment ça la logique, mais comme j'ai dit, c'est tellement compliqué d'avoir un suivi global de tout ça. C'est ma flotte ici? Non. Flotte déployée. Elle est où? Flotte sur zone. Ah, elle arrive au sud. Ouvrez le feu. D'abord eux, parce qu'ils sont pas en mouvement, ils font un blocus. On nous attaque. Alors en vrai, je sais pas ce qu'il faut se faire. Affirmatif. Allez, carburant, c'est important. Coordonnées confirmées. Paré à l'action. Allez. Voilà. Ouvrez le feu. C'est quoi la mission? 21 navires, il faut. Je crois qu'on est à 10 avec lui. Cible acquise.
mieux. Ah, c'est de la merde, ça, j'achète pas. Excellent. Et Jacques Drake nous fait chier. Arrivée de la navette dans les délais prévus. Les mecs, ils viennent te faire chier à ce moment-là. Ça fera 18, il nous en manquera 3. Au poste de combat. Ah, j'aurais pu me faire au niveau du blocus du spatioport, en fait. Ouvrez le feu. Auto-réparation en cours. Paré à l'action. De tels changements sont toujours les bienvenus. On nous attaque. Ouvrez le feu. Allez, c'est le dernier. La prochaine fois, vous échouerez. En avant, toutes. Ouais, bah la prochaine fois, c'est pour aujourd'hui. Bien reçu. Allez, cassez-vous. Sérieux, quoi. Bon, faudrait des jus de fruits encore. Putain, ils font chier avec leurs jus de fruits. Je vais leur faire bouffer leurs jus de fruits, je vous jure. Un de ces quatre. Ils me rendent dingue avec ça. Voir qu'ils me rendent dingue. J'ai l'impression de passer ma vie à faire des jus de fruits. Vous êtes là, vous me donnez rien, coup de main ? Ah, me dis pas qu'on enchaîne une autre catastrophe. Il y a une éclipse, non? Non, mais une calamité contre mesure assure de nuit polaire. Ah, c'est la nuit polaire. Mais on n'est pas au glacier des... Pourquoi ça touche ici aussi? Engorgement du réseau logistique. Nous sommes sous le feu. Alerte. Sous-approvisionnement de biens de consommation spécifique. Ouais, je sais. Mais comment ça se fait, là? Attends, il y a une éclipse, ça touche ici. Fous ma gueule. Et donc, eux, ils ont acheté, là. Il y a quelqu'un qui a acheté... Où ça? Ils se sont auto-rachetés. Ah, c'est pour ça qu'il faut de l'argent. Pour se racheter ses propres trucs, s'ils nous font une OPA. Avantage action. Donc là, j'ai 3%. Ah ouais, avantage OPA, vous voyez. Ce que je disais. C'est important. Ça nous permet d'augmenter plus d'influence. Ah, d'en gagner plus vite. La vraie question, à quoi sert l'influence, à part ce qu'on a vu là? Ah, le stade, au fait. Mais je peux pas construire. C'est ça ou pas? Parce qu'on a enfin le stade. La vraie question, c'est on va le foutre où, ce stade? Il est balèze. En vrai, on pourrait le mettre là. Un peu à l'américaine, où ils mettent à l'extérieur, vous voyez. Des concurrents enchérissent sur les actions de votre corporation. Oh putain, c'est chez moi. Contre-mesure recommandée. Il casse les burnes, là. La valeur corporatiste a augmenté. Ah, j'ai plus les moyens. Fais chier. Oh, ils veulent vraiment acheter chez WAM. Ils achètent la dernière enchère que j'avais rajoutée. Ah, l'avant-dernière. Non, la dernière. J'en ai acheté deux. Je n'aurai plus à m'en préoccuper. Salaud.
Par contre, en échange, j'ai gagné des fonds. Et je peux essayer de la racheter moins cher. Je tente un truc. C'est réglé. Si j'essaye de l'acheter avec l'argent de Usoyev. En passant, je me fais un petit Nouveaux bonus. Ah, investissements ouais, de d'accord. recherche possibles. La loi de Murphy a encore frappé. Bon, on a récupéré notre action. Foulé. Mais j'aurais voulu la faire vendre moins cher, mais les autres, ils ont de la thune, c'est con. Mais j'aurais jamais pensé qu'ils avaient autant. Donc on a le stade. La vraie question, c'est que maintenant, je peux plus voir. Ah si, il est là, le QG de corporatiste. Vous voyez, il nous manque un peu moins de 45 000 pour avoir le QG de corporatisme. Donc en gros, ça, c'est ce qui fait qu'on a fini le jeu. Comble tous les besoins publics. Waouh, mais c'est un truc de fou en vrai. En fait, avec ça, t'as plus besoin de rien faire. Tu peux faire ce que tu veux. T'as plus qu'à claquer ta thune. En gros, c'est l'idée. Par contre, en mode nuit comme ça c'est stylé en vrai. Je viens de remarquer, mais c'est hyper classe. Je veux voir si je construis ailleurs. Si ici, ça peut me permettre d'augmenter. Ça peut le faire. Hein. Je suis en train de réfléchir. Ça, c'est un truc qu'on a acheté ou pas? Par contre, j'ai un problème sur mes routes. Ah, parce qu'il n'y a pas de route ici, j'ai cliqué. C'était quoi ici? S'il vous plaît, ne me jetez pas dehors. C'est toi, toi. Je suis sur un projet là. Tu peux te casser? Je te jette pas dehors, vas-y, il n'y a pas de souci, c'est ta mission. Je veux juste vérifier un truc. Le problème est résolu, et c'est tant mieux. Potable. Ah ouais, on peut pas construire. Ah non, parce qu'il faut du... C'est quoi ça? Il faut du riz? On n'a pas d'usine en fait pour l'instant. On n'a pas non plus, vous allez me dire, de... Voilà, on n'a pas d'électricité. On n'a pas d'employés qui me disent. On a un déficit d'employés. Bah ouais, mais je voudrais en construire, mais vous me dites que je peux pas. Je comprends pas ça, pourquoi? Ah, j'ai Alerte. pas mis les trucs de base. Recrutement de main-d'œuvre recommandé. J'ai oublié ça. Ah oui. Et il faut l'eau, j'imagine. Bah non, en fait, c'est pareil. Ok. Votre industrie souffre d'une pénurie de main-d'œuvre, ce qui compromet la productivité. Ah oui, ça, j'ai remarqué. Pourquoi on n'a pas de main-d'œuvre? Navette en cours d'amarrage. Alerte.
pénurie d'énergie. Ouais, j'ai capté, ta goule. Attends, je comprends pas là, pourquoi je peux pas? Ah, j'aurais dû commencer. Bah non, je peux pas commencer par... Attendez. Si on supprime ça. Bien. Nous devrions garder cette procédure en tête au cas où. Ouais, au cas où. Ah ouais, mais c'est pareil, je peux pas. C'est quoi qu'ils veulent? Hein? C'est ça, non? Des robots de construction. Ouais, donc en gros, il faudrait que je leur envoie. Putain, qui construit ça? Faut des robots. Attends, personne a ça? Je peux pas négocier avec... Ah si, là. Alors, on va mettre un peu moins, mais 15. Non, 15, pardon. Voyons voir ça. Félicitations. Nouveau succès obtenu. Ok. Mais pourquoi j'ai pas les employés d'origine en fait? C'est ça que je comprends pas. Parce que là je suis toujours en pénurie samedi. Alors on va se faire un petit secteur ici. Du travail pour nous, on s'y met. Ok, on a des gens. Potable. Excellent. Le résultat est là. C'est tout ce qui compte. Faut de l'eau. Ah, je sais pas assez qui me dit. Attends, mais dis pas qu'il faut des robots ici pour que ça bosse. Comment ça, il n'y a pas de connexion routière? Oh là là. C'était à cause de ça. De l'eau. Ah non, 5. C'est quoi ça? Ah, c'est les biopolymères. Putain, ta grand-mère. C'est où les biopolymères? C'est ça? Comment ça, t'as pas assez, toi? Faut qu'on en stocke. Donc on a fait le stade, hein, c'est pas mal déjà. Mais là, ma vraie question maintenant, tac, on met les trucs de base. Et je veux créer des gens. Voir si ça m'apporte quelque chose. Putain, on voit pas très bien. Comment ça, ils sont pas reliés, vous allez me dire? Comment ça, ils sont pas reliés? Ah, il y aurait un trou là quelque part? Et là. Ok. Moins 9 en polymère.
Ah non, biorésine. Ah, j'ai pas mis là. Bah si, il y en a une. Mais pas assez. Ah, je sais, je l'ai décalé sans le vouloir. Ne vous inquiétez pas, je recadre. Moi ? Oh, je vais bien. Ah, ils veulent, bon des... ils veulent des infos, ça je m'en doutais. On va peut-être d'abord faire la route. Notre corporation aura conquis. Ok, on est d'accord. Voilà, donc j'en ai 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22. En tout cas, ça fait partie de mon rendement, ça on est sûr. C'est compté dans mon rendement global. Donc la vraie question, c'est est-ce que ça va me servir ? Notre protocole impose d'agir comme suit. Qu'est-ce qui se passe encore ? Ah. Ouais, il va un pont, mais pour l'instant, j'en veux pas. Formidable. C'est bien mieux. C'est donc réglé. Passons à la suite. Comprenez que les besoins vont être beaucoup plus tendax. Bon, c'est pas super opti, mais comme c'est un essai, j'ai envie de vous dire, on se la joue comme ça. Ouais, ils vont crever la dalle. Vous avez tout compris. Ça me paraît pas mal, ça. Opérateur à votre service. Ah, il me faut des polymères. On va en stocker. Complexe de recherche sous-exploité. Ah bah ça je l'avais dit par contre. Malheureusement, on le savait. Pour moi, il n'y a pas assez de nourriture. Alerte, sous-approvisionnement de biens de consommation spécifique. Ah, mais le problème, c'est qu'il n'y a pas d'énergie ici. Alerte,
impossible de satisfaire la demande de certains biens de consommation. Ouais, c'est pas ouf, hein. Ok. Ils veulent quoi? Alors le problème, je crois que c'est que ça me mélange tout, ce qui fait que je vois pas trop. Ok. C'est bien mieux. Ça fera l'affaire. Ok, je voulais juste voir ça. Je vais me faire une deuxième ligne. Comme ça, j'ai du niveau 1, du niveau 2. Par contre, ouais, j'ai pas opti parce que j'ai fait deux fois la route pour rien. Ah, mais mon éolienne, là, elle sert à rien. J'ai pas vu, je croyais qu'il y avait une route derrière. Hop. Ok, voilà pourquoi c'était pas tant monté que ça. Alors, maintenant si on repart de l'autre côté, la vraie question. Bien. Avant de se quitter. Par contre, nos biostimulants, là, ça marche pas. Ouais, je sais, c'est ultra rentable, mais est-ce que ça marche? Est-ce que quelque part, là, on peut faire augmenter quelque chose? Ça a vraiment zéro lien entre eux. Là, j'ai l'impression que non. Hein. C'est bien dommageable. Quoique non, il me faudrait du niveau 3, mais non, je verrai des niveaux 2 et 1, j'en ai ici. Qu'est-ce qu'ils ont, hein? Ah, ils ont pas le stade. Ils veulent le stade, c'est con. C'est ça qu'ils veulent, ils veulent le divertissement. Alerte. Le manque de transporteurs compromet la production. Ouais, mais c'est pas ici, donc c'est pas très grave. Alerte. Impossible de satisfaire la demande de certains biens de consommation. Ouais, je sais. Il faudrait le QG, mais... c'est compliqué. Comment j'avais dit que je pouvais voir ça? Ah merde, ça fait chuter en plus. Mais j'imagine que c'est de l'autre côté. Comment j'avais fait pour voir? Ah, le QG de corporatiste. Ah ouais, on perd des gens, on perd des investisseurs, donc ça c'est chiant. Parce que maintenant, on en a perdu environ 300, non plus, on était à 105 000, hein, je sais plus combien j'avais dit. Ouais, mais je vous dis, ce système c'est trop compliqué parce que on ne sait pas ce qui est rattaché. Finalement, d'avoir payé l'autre terrain et essayer de l'assimiler, on peut s'échanger des trucs, mais bizarrement, on peut pas faire ce qu'on veut. Vos performances système. Une distraction en moins. Tant mieux. Ah mais c'est que pour l'atelier en fait, ça. Itinéraire de transfert dysfonctionnel. Approvisionnement ouais, je inapproprié. Sais. Le réjuvénateur, forcément, bah ça va pas. Il n'y a pas assez. Il y a trop de demandes. Donc ça c'est en cours. Ah ouais, il faut 15 minutes en fait et bim, à chaque fois ça va augmenter. Ah là là. Mais ça c'est que pour la station en fait. Moi je pensais que ça servirait pour tout. Ah ouais, c'est à dame. D'accord, c'est pour ça que je l'avais pas au début. Bon, ce que j'en dis c'est qu'on a le stade. Il est où mon stade, mon joli stade? Il est là. Regardez avec les highlights. Mais je vous avoue que c'est compliqué. Ah ouais, maintenant qu'il y a le stade, ça me l'affiche. Bienvenue. Ah quoi, qu'ils veulent des implants, c'est con.
Bah non, parce qu'ils sont trois et ils n'ont pas. Eh bien, je peux vous rendre service ? Vraie question, allons voir. Un plan. Ah, mais c'est pareil. Ça, je vous dis, ça demande tellement. Je comprends que le bâtiment de fin, il serve à quelque chose. Mise à jour. Est-ce que ça permet d'avoir mieux ? Oh, quelle bonne surprise ! Non, ça ne nous change rien. J'ai l'impression qu'il faut que ce soit ici, donc je me demande même si avec le cratère, avec la lune, si il y aura un impact. Ça veut dire qu'il faut vraiment le faire ici sur place. Ah, c'est compliqué, c'est un truc de dingue quand même. Comment gérer tout ça, sachant que j'ai toutes les îles maintenant actives. Faut que je trouve ça un peu compliqué, mine de rien. Ah mais si, là il y en a plein, attendez. À plein. Pourquoi ici je peux et pas là-bas? Ah ouais, tu peux en faire deux ou trois. J'ai envie de dire, tu fous ma gueule. C'est trop long. Malheureusement, ça le problème, c'est que c'est trop long. Allez, ça va faire grimper bien, mais à chaque fois, je vais devoir gratter. Au pire, peut-être que j'avancerai la partie et je ferai un épisode spécial finish un jour, peut-être. Qui sait? Où je proposerai d'approcher les 150 000, quoi, en fait. Ou genre, il restera plus que l'augmentation à faire. Parce que bon, là, c'est compliqué. Hein. Il manque quand même 48 000. C'est dingue. Sachant, comme j'ai dit, tout ce qu'il va falloir faire pour les besoins. À part, je sais pas, si j'augmente les besoins de Renault, est-ce qu'on peut... Je sais pas jusqu'à combien je pourrais monter, en vrai. Est-ce qu'on peut mettre max? Arrivée de la navette dans les délais prévus. Paramètres réactualisés. On va voir pour l'instant tant qu'il me dit rien. Je vous avoue que c'est très compliqué. Moi-même, il y en a qu'on plante pas tout. Non, ça marche pas, donc c'était pas ça. C'était pas du tout ça. Après, j'avoue que j'ai pas fait les trucs quantiques et tout. Ouais, parce que là, il y a assez, mais je peux pas le monter. Parce que forcément, ça va me dire, pas assez de bâtiments. Ouais, il manque 3 bâtiments. Mais quand ils disent de ce type, c'est ça le problème, c'est que c'est pas précisé. Donc là, c'est des cadres, et il faudrait 3 bâtiments niveau 2. C'est ce que je trouve un peu incompréhensible. À un moment donné, comment on fait? En termes d'espace, j'entends. Peu importe les bonus qu'on pourrait m'offrir, je ne travaillerai pour personne d'autre. Parce que je peux essayer de gratter, certes, mais... Mais en vrai... Ça fera l'affaire. C'est bon, ils rachètent de la merde. Pas de la merde. Pardon. Manque de respect envers une corporation adverse. Oui, parce que même si je fais une cité ici, c'est compliqué. Moi, je veux bien leur mettre un infodrome, par exemple. Itinéraire de transfert inefficace. Pénurie de ressources. Siège sera enchanté que vous ayez résolu le problème. C'est compliqué. Itinéraire de transfert inefficace. Allez, pour aller 3 bâtiments, je peux remonter un niveau 3, 2 niveau 2. On est toujours sur ce ratio en fait. Et le problème, bah oui, c'est que c'est compliqué. Parce qu'en plus, il faut les ressources. Et donc, à un moment, les ressources, je vais les mettre où? Je pense que j'ai peut-être raté quelque chose, c'est possible. Une étape quelque part.
Itinéraire de transfert inefficace. Pénurie de ressources. Oui, il va falloir jouer à gratter comme ça et c'est super compliqué quoi. Même moi je m'y retrouve plus là-dedans. C'est trop le bordel. C'est le jeu du chat et de la souris. En plus là dans la nuit je trouve ça. Même si c'est classe, attention, mais. Après j'adore, j'ai choisi ce côté futuriste pour ça. Ça je l'admets. Mais bon, c'est dommage qu'on bloque juste pour un petit chouïa comme ça. Par contre, on voit les effets un peu pixelisés là, comme ça. Mais c'est vrai que ça a de la gueule. Ah, franchement, on a fait, je sais même pas, sans déconner, je sais même pas combien il y a d'épisodes. Trentaine. Je m'en rappelle plus. Mais je crois qu'on a passé la barre de la trentaine d'épisodes. Donc, ce qui veut dire qu'on est sur une partie qui fait 10-20 heures, quoi. Donc c'est pas mal, sachant que c'est un premier jet, c'est la partie où tu apprends des choses. On apprend après la bourse, je sais pas encore trop comment ça sert, comment on l'utilise, parce que normalement il y a un truc aussi pour acheter des ressources. Mais j'avoue que ça, je comprends pas où c'est. J'aimerais bien savoir. Ça, combien de temps il restait? 12 minutes quand même. Parce que marché des actions, ok, mais il n'y a pas un marché tout court. Normalement il y a un truc, hein. Ah mais si, attendez, si je suis en bourse, peut-être qu'il faut que j'aille là-bas. Il est où mon marché de la bourse? J'en ai mis un là, non? C'est lui peut-être? Non. Infodrome. Ah, fait chier. Juste avant de partir, je vais regarder un truc. Bourse là. Où est-ce que j'en ai mis un? C'est peut-être là que je l'avais mis. Ah, le voilà. Mais même ça, son système d'influence, là, je sais pas trop comment ça marche. Parce qu'ils disent que ça permet d'améliorer. Donc ça, je veux bien. J'ai envie de vous dire, par exemple, un exemple. J'essaye de faire un peu à la dégueulasse parce que je vous avoue que je vois pas bien. La mise aux enchères de vos actions corporatistes a commencé. Ma gueule, toi. T'es fou toi. Ce revers nous servira pour la suite. Ouais, j'ai perdu plein d'argent quand même. C'est ça que je comprends pas, juste pour acheter des trucs, mais eux ils perdent pas leur argent. J'ai juste récupéré ma part. Sinon je me serais fait du pognon. Ouais, c'est compliqué quand même là. Alors attendez, je fais juste un dernier petit test avant de partir. Parce que j'ai l'impression qu'il sert à rien ici. Ah bah voilà, la bourse, ça change plein de trucs. Itinéraire de transfert inefficace. Pénurie de ressources. Ça nous a fait EP quand même pas mal.
Donc en gros, il faudrait peut-être que je mette un truc boursier dans le coin là. Je me dis que ça pourrait être utile si on tentait notre chance. Comme ça pour voir. Ah ouais, ça fait un sacré boost en fait. Ah ouais, plus 3 là, je vois. Ah ouais, j'avais pas vu ça comme ça. Ah oui, parce que j'ai le droit à un plus 1, mais en fait, faut pas faire n'importe quoi. J'ai le droit à 3, c'est ça? C'est tous ceux qui sont affectés. Waouh! Mazette! La valeur des actions progresse. Ah ouais, parce qu'il faut que j'améliore. Arrivée de la navette dans les délais prévus. Est-ce que c'est une question de time? Non. C'est parce qu'il faut que je fasse booster les bons bâtiments. Oh, l'explosion. Enregistrement sous un nouvel intitulé. Combien on est? Juste comme ça, parce que ça a dû attirer du monde, mine de rien. 120 000, tain, on y est tellement presque. Des comptes qu'on n'en a pas par ici, par exemple. Itinéraire de transfert dysfonctionnel. Ah ouais, parce que si on fait ça. Inapproprié. Voilà. La mise aux enchères de vos actions corporatistes a commencé. Nouvelles options d'agrandissement de la station. Ah, ça y est, on est à 15 minutes. Alerte, défaillance énergétique. Ouais, j'ai vu. On se demande encore pourquoi. Comment je peux avoir une telle défaillance? Le problème est résolu, et c'est tant mieux. Salaud, il m'a racheté. Ah, mais c'est les trucs de bourse qui ont fait ça. Itinéraire de transfert inefficace. Pénurie de ressources. Par contre, on a une dette d'énergie là qui est pas croyable. Je sais pas ce que vous en pensez. Par contre, cette vidéo est en train de devenir ultra longue.
Votre appareil de production consomme plus d'énergie qu'il n'en reçoit. Oui, j'ai remarqué. Sa productivité. Je vais envoyer de l'espace. Pardon, moi j'ai découvert la bourse et j'ai pété les plombs. Très bien. On devrait rationaliser le process. Route de transfert réévaluée. Ah, mais là j'ai plein de maisons niveau 1. C'est vrai. Putain, mais c'est compliqué ce système, hein, je vous jure. Je vous jure que c'est la crise ce système. Itinéraire de transfert inefficace. Pénurie de ressources. Votre part de marché global a augmenté. Ici, j'en ai pas mis. D'accord. Ah, elle a disparu. Convenable. T'en fous du convenable? Mieux. Un seul, t'as t'es radin. Alerte. Besoin énergétique trop élevé. Mesure correctrice. Mais je comprends pas ce qui me bouffe autant d'énergie là. J'avoue que je comprends pas. J'ai beau réfléchir. Ah ouais, j'ai plein de trucs dans le rouge là. Paramètres réactualisés. Ok. Alors, on était parti à la base, hein, je rappelle. Pour ceux qui suivent cet épisode sans fin, combien on est? Je suis curieux. On s'améliore, on y est presque. Je vous avoue, je coupe ici et je vous fais un autre épisode et on tente les 20 000 qui nous manquent. Alors on va faire un petit tour d'horizon d'abord. Parce que voilà, le problème c'est qu'il y a des pertes. Il nous faudrait de l'eau, du riz. Donc on va vérifier ça. Allez, je vous laisse ici, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Je vous retrouve tout de suite dans un nouvel épisode. Allez, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao les amis, on va essayer de voir si on peut atteindre les 150 000. On y est presque, on est tellement proche du but. Franchement, on n'a jamais été aussi près, on va tenter notre chance. Je vais le tenter maintenant avec vous, tant pis, il n'y aura pas de coupure. Ou ce sera dans l'oubli. Et excusez-moi de cet épisode sans fin. Voilà, ça a quasi un double épisode, mais quand on est pris dans ce genre de jeu, c'est ça le problème, c'est compliqué. Mais on fait avec. Allez, ciao, portez-vous bien.